T'es prêt mon collègue? Vas-y, je te regarde, va pas trop vite hein. Oh ouais. Mais wesh. Je lui dis quoi, va pas trop vite, attends. Et s'il tombe, moi je veux le filmer hein. Il est tombé. Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Là on se retrouve direct, je devais pas commencer l'intro là, mais je crois que la moto elle a un problème. Déjà, je suis en réserve. Et elle fait vraiment un bruit bizarre de claquement quand je roule. Mais genre vraiment de fou. Donc là on a les dégâts de la vidéo où j'ai fait du cross et tout, je l'ai pas encore nettoyé. Regardez comment elle est dégueulasse là. Et bah je vais rouler, vous allez voir, et il y a un claquement trop chelou. Là on l'entend pas. Ah non, ça a pas l'air de le faire. J'ai plus d'essence. Oh shit. Wesh, il y avait sa fille sur ses genoux, heureusement qu'il m'a dit pardon hein, parce que vu comment il a pris son virage serré lui, du coup j'ai plus d'essence. Au bout de 160 km, je l'avais dit hein, la bécane. Franchement là ça m'étonnait même parce que je roulais pas fort mais. Enfin j'y allais quoi, j'avais fait des longues routes. Bref là on va aller rejoindre un abo. J'ai une mauvaise nouvelle aussi les mecs à vous faire part. Donc ce qui va modifier les vacances scolaires. Mais il m'est arrivé une petite dinguerie. Ceux qui me suivent sur Instagram, bah vous savez de quoi je parle. Mais voilà, pour ceux qui me suivent pas, donc j'ai un proche, donc proche donc dans ma famille, un de mes parents qui a chopé le Covid malheureusement. Et donc bah moi je devais partir pour plein de tournages, enfin je devais pas rester chez moi, je devais faire des tournages de fou. Il s'est passé que j'ai dû appeler tout le monde pour annuler. Pour l'instant minimum 7 jours je peux pas faire de vidéo présentation de bécane d'abonnés. Là je comptais vous envoyer des trucs de fou, mais comme ça fait super longtemps que je le tease, bah vous savez il va avoir une nouvelle bécane, ça c'est pas un secret. Bah ça va arriver quand même malgré cette annonce du Covid. Donc moi je suis qu'à contact. Donc là je vais rejoindre un abonné, bien sûr il y aura pas de contact et tout, ce sera juste une petite balade comme ça. Parce que ça va bientôt faire plus de, allez, facile un mois que je dis qu'il va avoir nouvelle bécane et tout, mais il se passe rien. Et bah, j'ai toujours un problème. Il y a les petits motards là devant. Salut les collègues. C'est les collègues ça. Pour me soutenir, mettez un petit pouce bleu. Et les vidéos. Wow. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai freiné de l'avant. Ouais, wow, je suis pas concentré, je vous le dis là, avec mes vacances qui sont gâchées, j'ai un peu la tête ailleurs. On va quand même essayer de se concentrer. Du coup, je disais, vous le connaissez, c'est celui avec lequel il a la Sherco à 7 vitesses. Donc normalement, il est là, le collègue. Salut, mec, ça va? On garde nos distances. Hein. Ah, je suis dégoûté, mec. Hein. Bah du coup les mecs vous avez reconnu, c'est la Sherco à 7 vitesses avec le carbu de 110. Alors les mecs, faut savoir que vous l'avez démoli, que ça soit sur YouTube ou sur TikTok avec sa bécane. On est à 80 000 vues. Non. Si. Tu m'as dit que t'as changé un truc, qu'est-ce que t'as changé? J'ai enlevé un peu de laine de roche sur le pot parce qu'elle avait vraiment du mal à chauffer. Donc là ça fait plus de bruit. Alors, vas-y attends. Hop. Ça fait vraiment plus de bruit. Bah tu vas voir ta main. Ah ouais. On le sent Ah ouais, ça change tout. Ah ouais, ça... Ah ouais, c'est bien, ça pète hein. Bon, elle est aussi dégueulasse que la mienne hein. Y'a quoi comme pompe là? Intermarché. Mais là, moi je fais un bruit de dingue là, ça me casse les oreilles. Je sais pas s'il gagne en pointe, je crois... Non, il gagne pas en pointe, tu m'as dit. Ouais, il m'a fumé tard là. En plus là moi j'ai plus d'essence, à tout moment là je vais entendre. Wow. Attends gros. Dans le fossé carrément là, c'est trop. On en a dans le ventre là, regarde, poignée dans l'angle. Wow. Ah non, c'est fermé. 98. Mais c'est pas grave, on va aller dans le centre là-bas. Non, t'inquiète, on va aller à la pompe. Ouais. Et on va jusqu'au bout et sur le retour, on s'arrête, on fait un run. Celui qui arrive le plus vite ici, en départ arrêté. Alba. Ah, il m'a fumé là. Hein. Oh, il m'a fumé. En plus, c'est bien de faire ça quand j'ai plus d'essence. Je suis vraiment l'enfant le plus débile. Hein. Regardez-le.
Je suis jamais passé ici, je sais pas. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de pas rouler tout seul. Parce que vas-y, déjà le Covid, déjà que j'ai plus de vacances, alors là, si je commence à rouler tout seul, on n'a pas fini. Vous avez vu comment ça penche? On va aller à la pompe pour mettre de l'essence et on va pas pomper, mais on va payer. En tout cas, pour ceux qui ont deviné la nouvelle moto, je vous ai déjà teasé quelques indices sur Insta. Mais en vrai, vous allez kiffer. Et en plus, tu peux rouler toute saison, donc c'est carrément bien ça. Regardez le bruit qu'il fait là. C'est bon les cartes, ça passe là. Le kéké. Ça résonne en plus. Ouais. Eh, 165 km. Hein. 165. Eh ouais, il y a plein de fuel à terre. Ouais, bah c'est une Total Access. Bon, je vais pas en mettre beaucoup sinon je vais en foutre à côté. Oh. Bon, attention. Hein. Oh, fou. Oh. 6 litres. Mais là, je vais mettre la moitié, genre je vais mettre 4 litres même pas. Ah ouais? On va gagner 4 litres précisément. Oh, mais oh, c'est imperfect hein! Bon, parfait. Eh, j'ai pas mis une goutte à côté, c'est imperfect hein. Bon, j'ai remis le bouchon. Tu sais qu'une fois, je suis parti sans le bouchon. Et je te jure que c'est vrai. Ah ouais? Je suis parti, j'ai démarré, je dis merde, mon bouchon. Ça y est, le fuel il est mis. Ah, ça glisse! On va. Ce qui s'est passé, c'est qu'on va aller lui faire du cross. Vas-y, on fait lever au scout. Il a pas dit bonjour le scout, il a pas dit bonjour. Il est tarpin pas sympa le scout en vrai. Oh puis, hey, mes chaussures elles glissent avec l'essence. Avec le nouveau essence là, ça bombarde. Oh les petites gouttes! Oh les petites gouttes! C'est horrible! Oh je vois rien, oh je vois rien, attends faut que je ralentisse, oh les yeux ils pleurent. Ça bombarde, ça bombarde. Comme je vous ai dit là, bah ça va un peu décaler toutes mes semaines de vacances. Bah ça va décaler les tournages que j'avais prévu, j'ai un peu le seum. Mais bon voilà, hein, c'est la vie hein. Mais quel mec. Hey, il fait l'enduro du tout quel couze là. Ça y est, il se traîne avec moi là. Il fait l'enduriste fou là, mais il sait pas ce que je lui ai prévu. Je vais lui faire passer dans les chemins. Et là il pleut là. Hein. Donc il n'y a pas intérêt. Ah, une belle Kia Stinger. Je sais pas si vous l'avez vu. Là je vais vous montrer les mecs. Pour ceux qui connaissent Maxime Ruchot, le mec qui fait du 4x4. Partout, genre il fait du 4x4 dans la forêt et tout. Il y en a qui le connaissent, je pense. Et bah, je vais vous montrer que moi j'ai quasiment pareil près de chez moi. Ah, ouais, regardez leur 4x4, ils sont sortis, ils sont dehors. Je vais vous montrer, mais là il est pas prêt. Il est derrière moi. Quand je vais rentrer dans le chemin, il va voir bleu. Hein. Regardez, donc là c'est pareil. Je crois que ces trucs là ils ont fait le tour du monde ou je sais pas quoi. Mais regardez, c'est carré hein. Des Defenders, c'est ça va sous l'eau et tous ces trucs. Regardez, on va lui faire sa petite surprise. T'es prêt mon collègue? Ouais. On va pas faire le grand chemin que j'ai fait la dernière fois parce que là on est mort. Pourquoi? C'est parce que je suis pressé on va dire. Ah, du coup là on fait jusqu'au bout. Vas-y, je te regarde, va pas trop vite hein. Oh, ouais. Mais wesh. Je lui dis quoi, va pas trop vite, attends. Eh, s'il tombe, moi je veux le filmer hein. Mais c'est quoi ce ma. Wow. Eh, mais c'est moi, j'ai aucun niveau en enduro. Il est tombé, j'ai pas eu la chute. Non. J'ai pas eu la chute. Mais oui que ça. Attends gros. Mais je te l'ai dit, va doucement. Attends. Attends, je mets la bécane. Non. T'as cassé. Attends. Non gros putain. Mais hey, tu sais que je t'ai vu partir, j'ai fait ses morts. Oh non. Ça va gros, toi t'as rien toi? Non. Oh putain. Bah attends, viens on la relève. Oh, j'espère que ta direction elle est pas kienne. Oh, non. Mais non. Mais ouais, mais y'a v'là les trous et tout ici. Putain, je vais. Putain, on va même pas réussir à mettre la béquille. Ah ouais.
Ça va toi? Putain gros, j'ai peur que t'es niqué. Mais ouais, mais en plus j'ai pas eu ta chute hein. Moi je t'ai juste vu quand t'étais là au sol. Attends putain gros, j'espère que ta fourchette... Oh, attends, je crois qu'elle est pliée. Oh putain gros, je crois qu'elle est pliée. Je crois gros. Non. Mais non gros. Attends. T'es assuré en quoi? Et pour ça y a pas d'assurance. Attends, tu veux pas qu'on la sorte du chemin déjà? Non non. Attends, viens, on la recule. Ma pied ça glisse gros. Mais t'as fait comment en fait? Explique vite fait ta chute. Parce que gros t'es tombé là-bas. Bah t'as pris quel trou? Bah t'es tombé à 30 mètres. Après je suis allé là. J'étais ici, j'ai essayé de me mettre là comme ça. Et puis après j'ai fait des zigzags et puis je me suis pris. Ouais, t'as guidonné. Ouais. Oh, et c'est moi, pourquoi j'ai des idées comme ça? Ah, c'est pas de ta faute. Bah ouais mais gros, enfin. Je me fais déjà victime dans les commentaires, alors là je suis. Bah là le mec, je veux aucune insulte sur sa chute. Ah non non, si vous pouvez faire ce que vous voulez, je le mérite vraiment pas là. C'est... Attends, non gros, le pot il est. Non c'est bon, le pot il est. Le pot y'a rien. Mais je crois que ta direction elle est touchée gros. Ta fourche elle est pliée ou un truc comme ça. Et c'est cassé ça? Bah oui c'est cassé. Ah ouais. Bah c'est mort hein, y'a pas de vidéo qui sort aujourd'hui hein. Je vais t'aider à rentrer chez toi mec. Et en plus dans la vidéo je dis putain aujourd'hui il est venu pas équipé et tout. Je sais pas, pour lundi comme tu taffes. Tu taffes lundi? Ouais. Mais je crois que ton guidon il est touché en plus hein. Attends, en plus je me coiffe, elle est dégueulasse. Non non bah ouais il est... Non mais en vrai je t'inquiète. Ouais mais je crois qu'il y a un peu de terre qui est rentrée dedans. Attends bah viens déjà on la remet sur le chemin là. Putain mais... oh. Attends attends. Eh je sais pas comment t'as. Je sais pas comment t'as fait. Attends je vais la pousser devant. J'y pensais tellement pas. Non. Putain. Je fais pas attention, je fais le kéké parce qu'il m'arrive. Attends attends la béquille elle va bloquer, au pire enlève là. Bah en vrai le principal c'est que ça t'arrive sur les chemins tu vois si on peut... En plus tu l'as acheté neuve la bécane. Non. En vrai je pense que t'as rien niveau moteur et tout hein. Je pense que c'est juste un garde-boue avant, un guidon et l'histoire est finie. Ah t'as une vitesse, t'as une vitesse gros. Ah oui t'es... Non mais c'est... ça glisse, ton pneu arrière il glisse. Ouais bah la fourche elle est morte gros. Enfin, je sais pas si c'est la fourche, mais le guidon, il y a. Je pense pas que ce soit la fourche, mais le guidon, ça l'a. En vrai, toi t'as rien. C'est... En vrai, ce qui est matériel, c'est juste le garde-boue avant, je pense. Le guidon, à la limite. Mais Gann, t'as pas. Ton pot, t'as rien. Le moteur, y'a rien. T'as pas trouvé tes vêtements et tout. Ah, ça y est, j'ai mon 100 000 vues. Le carbu de 110 fini dans le fossé. Alors, les mecs, pour ça, vous allez quand même vous abonner à sa chaîne. En vrai, ça te fait un style, tu vois, t'es... Comme je suis assuré tout risque et... Je suis tout assuré, au maximum. Je sais pas si une chute, ça compte, hein. Parce que c'est toi qui a provoqué la... Après, j'ai la vidéo. Bon, les mecs, la GoPro n'a plus de batterie, donc je vous finis ça à l'iPhone. Donc, vite fait, pour vous redire un peu sa chute, bah, il a guidonné au niveau des trous là-bas. Et c'est parti en steak jusque-là, puis il a fait... De toute façon, à partir de ce moment-là, vous voyez, il est parti là-dedans. Il a rien, c'est le principal. La bécane, c'est un garde-boue, un guidon. Je vous mettrai sa chaîne YouTube et un petit lien PayPal si jamais vous lui faites une petite cagnotte. Non, gardez vos sous. Mettez des pouces bleus au moins. Au moins, si la vidéo. Achetez-vous un carbu de 110. Ouais, et si la vidéo elle fait des vues, je lui donnerai ce que la vidéo aura rapporté. Au moins, il ira se racheter un guidon, les mecs. Non, parce que. Je lui donnerai sur le désactive vidéo. Bah, non, mais les mecs, moi ça me fait chier parce que j'arrive là-bas et je dis, bah vas-y, on va faire vite faire un bout de chemin. Lui, il me dit quoi? Il me dit, vas-y, viens, on fait comme dans ta dernière vidéo, on fait le grand champ. Je dis non, le grand champ, on va tomber et tout. En plus, j'étais pressé. Je le vois sur la vidéo, je dis putain, il part vite et tout. Je dis, moi, j'ai pas son niveau d'enduro. J'arrive au bout, puis je le vois quoi, il est dans le chemin. Ah ouais. Du coup, les mecs, si vous avez un garde-boue de Sherco, je pense que toutes les Sherco ça fonctionne. C'est une SMR si jamais, 2020. Si vous avez un petit truc, même un peu griffé, on s'en fout, vous m'envoyez un DM sur Insta. Au moins, il aura son petit garde-boue. Parce que vas-y, ça fait chier un peu pour lui, mais. Je le mérite pas de ça. Bah, les mecs. Faut que ça arrive en vidéo, quoi. Mais ouais, ça glisse de fou dans les chemins, c'est super trompeur. Ouais. En vrai, ça va, c'est pas sur la route. T'as pas tapé une bagnole. Non. Toi, tu vas bien. C'est... Donc, vite fait pour vous montrer le guidon, bah.
C'est en gros, il est plié à partir de là. Il est plié, je suis pas entendu, il est vers la gauche. Ouais, donc c'est impossible pour lui. Et bon, le rétro, ça, il est, il est pas cassé ni rien, le rétro. Ouais, rétroviseur premium. Mais voilà, il a rien niveau moteur, donc ouais, ça me fait chier pour lui, les mecs. Ça fout le seum quand même. Du coup, au moins, allez lâcher un abonnement sur sa chaîne Team Carbut 110 dans ses commentaires. En plus, j'ai vu, vous avez bombardé sa vidéo présentation. Elle a pris. Ouais, 2200. Ouais, elle a pris des vues, ça fait plaisir pour lui. Ça a vraiment fait plaisir. Voilà, donc essayez d'aller remettre ça pour... Putain, j'ai fait honneur au match de ce soir. Lille-Lens. Bon, les mecs, on est pour Lens, on est pour Lens. Les mecs pour Lille. Non. Les mecs pour Lille. Attends, ils tombent dans les fossés. Hein. Attends, les mecs pour Lille, ils tombent dans les fossés. En tout cas, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo, si on peut dire ça comme ça. C'était pas prévu. C'est parce que Yannet serait capable de dire vidéo fake, il a fait exprès de se jeter dans le... dans le fossé. Voilà, du coup, les mecs... checkez bien la description, voilà. Venez sur Instagram et si jamais vous avez juste un petit garde-boue, ça serait cool. Même un guidon, si jamais il y en a, ils ont une pièce, des pièces d'ancienne 50, un petit guidon affilé, bah, ce sera toujours ça de bienvenue. Un petit mot à dire pour la fin, toujours avec les distances sociales qu'ils ont été multipliées par 12. Un peu déçu quoi, vraiment dingue. En plus, je sais pas comment je vais faire en fait. Plus de place dans la GoPro, je peux pas vous filmer le retour. Mais voilà, sur ce les mecs, ciao.